Ça le gagne. Donc, même principe que la technique que toi, tu viens de pratiquer, mais on fait le coup de pied côté. Donc, je veux que tu sois en mesure de me montrer la différence entre un coup de pied en rond et un coup de pied côté. Donc, toi, tu sais qu'un coup de pied en rond, c'est les orteils pointés. Le coup de pied côté, les orteils tirés. Donc, même principe, je te demande de sauter sur le bout des pieds. 1, 2, 3, jambe arrière. Coup de pied côté et je me replace. Sauter sur le bout des pieds. 1, 2, 3, jambe arrière. Coup de pied côté et je me replace. Je suis capable de le faire également de l'autre côté. 1, 2, 3, jambe arrière. Coup de pied côté. La gang, ce que je veux voir, c'est vraiment une belle différence entre le coup de pied en rond et le coup de pied côté. Je te dis, bonne pratique.